fait froid. Il fait froid. Et on va faire le premier test en 3S du River Jet. Et voir si ça fonctionne. Hein, voilà. Putain, ça glisse. Non, mais respecte-moi. Donc je suis pas encore allé là où il y a la grosse étuve, il y en a bien une petite là quand même. Pas mal de courant. Ouais, fallait quand même déjà s'amuser. Après c'est vrai qu'il est hyper stable pour qu'il se retourne vraiment, qu'il fasse à louper. Hein. Je pense que dans la rivière, le 4S, c'est quand même... Oh là, il est où? Il est quand même très stable, faut être honnête. Ben, j'avais dit que j'allais pas en rivière sans que ça marche cette pratique. Une bout de mousse pour, sous le conseil. Oh la vache. Oh, il fait beau en Alsace, hein. Wow. Ouais, là je pense que 3S c'est limite pour aller plus loin dans le courant. Yeah. Là je joue avec le feu quand même. Là, je joue un peu avec le feu, pour être honnête. Par contre, c'est vrai que c'est hyper maniable. Par rapport à un bateau hélice dans un petit courant, que, bah, quand même pas tout petit, tout petit. C'est encore que j'abaisse encore la turbine. C'est quand même sympa la rivière, franchement. Papa, il a combien de batterie? Bah, pas y passer la journée, parce que je pense que c'est... Là, si tu comprends... Ouais, je commence un peu à piloter, ça va. Comprendre qu'il faut toujours laisser... un petit filet de gaz. Impossible. Hey, gars. Allez, dernier. Est-ce que je vais être une télé? Mais on fait tout pour se gagner. Je devrais. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Waouh, c'était juste. Ouais, on va pas tenter le diable. Hein, voilà. C'est bon, j'ai fait mon essai. Et c'est 1 sur 10. Et c'est pas mal. Jusque... Ah hey, là, j'aurais bien passé de l'autre côté et sauter, mais là, si je me retourne, je suis pas sûr que je le... Que je le remette. Allez, à plus. À plus, les trousineurs. Pour montrer que j'avais tenté de mettre un petit bout de mousse, voir si ça aidait.
pour retournement en 3S. Alors oui. Ça aide, ça tangue plus, mais ça ne fonctionne toujours pas. Donc je pense que ça marche vraiment qu'en 4S. Ah, 360. Faut vraiment y aller tout doux sur les gaz. Hein. Ouais. En 4S, c'est juste, je pense, pas contrôlable. Oh. Ah, il est échoué. Ah oui, épique. J'ai failli tuer le cygne. J'espère qu'il va pas m'engueuler le cygne. Et donc là, ce qui est bien, c'est que là, effectivement, j'espère que j'ai pas aspiré de cygne. Enfin, de cygne, j'ai pas aspiré de cygne. J'ai pas trop aspiré de bêtises quand je me suis échoué. Bon, encore que je pense que je tourne une turbine. C'est-à-dire que dès qu'il y a des vagues, ça, il monte encore. Encore un petit peu. Faut encore la descendre. Oh, elle est glacée, ma couche. Bah oui, elle est glacée, l'eau. Voilà, tranquille. On va laver. Donc voilà. Petite session glacée. Deux petites rivières, deux petites lacs. On va juste. Nettoyer là de la tourbine. Oui, elle est glacée l'eau. Ouais, tu vois, il dandine encore. Hein. Faut vraiment que je baisse encore la turbine. Ah, il bondit. Et du coup, tu vois. C'est, il n'a pas de directivité vu qu'il y a. Voilà, la turbine ne touche pas l'eau, donc ça tourne. Alors que tu vois, s'il est comme ça, il fait ce que tu veux, absolument ce que tu veux quand même. Donc faut que je baisse encore la turbine. On verra. Encore des essais, les amis. Allez, à plus.